Alright. Donc, salut tout le monde, Jeff de Rétro Nouveau pour un vidéo playtest aujourd'hui. Je vais jouer au jeu Drifting Lands, développé et publié par la compagnie Alchemy, qui est une petite compagnie de Nantes en France. Et c'est disponible sur PC et sur Mac via Steam. Donc ça, c'est un jeu de shmup action RPG, donc un petit... C'est un crossover entre les deux. Les autres ils décrivent ça comme si vous preniez, mettons, Diablo, puis vous ajoutez des vaisseaux spatiaux dedans, là, puis du shmup au lieu d'avoir du click and point and click. Là. Fait que c'est ce que c'est ce jeu-là. Je salue tout le monde dans le chat qui m'écoute. Si jamais le son est pas bon ce soir, vous pouvez me le dire dans le chat. Là. Je vais ajuster. J'ai un nouveau headset, un Artemis de Logitech. Donc j'ai changé quelques trucs là. En espérant que ce soit pas trop fort et que tout se passe bien. Donc on va commencer ça immédiatement. Je vais vous mettre le panneau du jeu d'ailleurs. Alright. Salut à El Padre 17 dans le chat en ce moment. Donc je vais jouer avec la manette de PS4. C'est un jeu qui, quand tu commences, ça te dit utiliser une manette, c'est beaucoup mieux pour l'expérience. Donc j'utilise ça avec le petit logiciel DS4Window. On va commencer une nouvelle game dans le fond pour vous montrer ça depuis le début. Normal. Donc trois types de vaisseaux. Les intercepteurs, les maraudeurs et les sentinelles. Choose your first ship. Donc c'est un jeu d'RPG d'action, fait qu'on va ramasser du loot dans le jeu, puis on va pouvoir customiser nos vaisseaux vraiment au bout là. Donc on peut commencer par un intercepteur, c'est peut-être ce qui est le plus simple j'imagine là. Ouais, je vais mettre le tutoriel parce que c'est quand même important, puis je l'ai pas joué sur une manette encore, j'avais juste essayé avec mon clavier souris rapidement là. Fait qu'en partant, je trouve que le jeu est super beau là. What about your stupid quarantine? Je sais pas si vous entendez bien la musique là, mais ça nous met dans l'ambiance. Personnage cartoon, j'aime ça. On va skipper un peu le dialogue là. Vous prendrez le temps de lire plus en détail si le jeu vous intéresse. Je préfère une review de ces écouteurs-là sur Rétro Nouveau dans un prochain épisode. C'est montré à bien à date. Alright, donc en partant, là, on est dans un genre de mode shmup. Le vaisseau se contrôle super bien. Ok. J'ai mon vaisseau, les dommages importants. Disturbrick, merci qui me confirme qu'on entend bien la musique. Si c'est trop fort, laissez-moi savoir. Là, j'ai un repair skill. Donc, dans le bas, on a les quatre options qui correspondent aux quatre items sur la manette. Même pour moi, c'était fort un peu. Ok, donc les skills se rechargent en bas. Comme je disais, les 4 boutons correspondent aux sur une manette de PS4, triangle, carré, rond et cercle. Oups. Donc présentement, j'ai 2 habiletés de débarrer. Le petit genre de blast de laser. Ah, je ramasse des trucs. C'est PC et Mac le jeu. Donc il est disponible sur Steam dans les deux versions. Je vais augmenter le volume de mon micro. Je vais voir ce que je peux faire là. Mais
Mission complete. Je vais essayer de jouer dans les settings là. C'est un peu plus la musique. Parce que j'avoue que ce soundtrack là, elle rentre pas mal. Là. Puis on va aller donner un peu de gain à mon micro. J'ai mis un quart de plus, ça devrait aider. Voilà. Ce sera à corriger dans les prochains. Dans les prochains streams. Beaucoup de dialogue là, c'est ça a l'air d'être assez intensif en blabla. Can access different location clicking on doors. Donc il y a des différentes places pour aller. Fait news, comment center, hangar, market. On va pouvoir acheter des trucs. Je vais aller dans le hangar, voir mon vaisseau tout de suite. Ah le micro, excusez-moi. Je viens de voir que mon micro était baissé. Ok. Alors on me demande si dans le jeu c'est seulement un shmup ou s'il y a plusieurs modes. Je pense que tous les tableaux sont en shmup. Mais ce qui a l'air d'être vraiment le fun du jeu, c'est la customisation puis le loot là. Mais à date, j'avais juste vu des tableaux en shmup là, tout le temps de gauche à droite là. Self Bubble, j'ai de nouveaux skills qui se débarrent. Single Impact. Ok, donc on voit que mes skills sont là. À date, j'avais ça que tantôt que je disais qu'il était la flamme qui correspond sous ma manette là, au X. Puis le cercle, c'était pour me healer. Automatic Retreat, c'est une autre habileté, ok. Là ici j'ai un genre de loot box. C'est ce que je retiens dans mon vaisseau que je vais ramasser au cours du jeu là, que je vais défaire les ennemis. Là j'ai rien, fait que je vais continuer. Il y a énormément de détails puis d'informations là, je sais pas si, à quel point tout ça va être important. Il y a du stock. On va aller faire l'émission. Ok. Oups. Ah, on peut... L2 R2 nous permet de changer de zone rapidement. R1 L1, on peut tourner la map. Il y avait ici la mission 2. On voit les difficultés sur le côté. Duration short. Ah, il y a tellement de stock, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment là. Je vais juste avancer dans le fond dans le jeu pour voir ce que ça va donner. Mais ça, je me suis dit que c'était vraiment là, comment on customise le vaisseau. Skill not ready. Faut pas que je reste trop proche de l'écran en arrière parce que... Ok, il y en a qui arrivent dans l'arrière. Skill not ready. Ok, il y en a en profondeur des fois, puis je peux pas toutes les poigner d'une shot. Skill not ready. C'est ok, c'est vraiment ce qu'ils disent, c'est ça look shmup, mais c'est pas autant un shmup. Parce que tu peux pas foncer en débile, tu peux pas tirer non plus non-stop là. Ah, je manque des affaires là qui flottent. Ah, c'est des bombes ça. Ok, eux autres, c'est des bombes.
ça joue comme un shmup au niveau de la défensive, mais pas de l'attaque. Ah, je confonds les ennemis avec des power run. Là, vous pouvez voir en bas dans ma barre, en fait, là. Bon. Dans ma barre, les actions que j'utilise, c'est ceux qui rechargent. Oh, c'est bol! Ouais, c'est shmup dans le niveau, dans le sens que c'est bullet hell. Mais c'est tout ce que ça a d'un shmup. Ah! Hey, c'est pas facile. Ok, les missions sont vraiment courtes. J'imagine que plus on avance, plus ça va être des longues missions, là. The group first, so community gets the lion's share of your earnings. Ben ouais, merci. Fait que les autres, ils prennent mon cash. Your share est 10%. Aïe aïe, fait que la communauté se ramasse 90% de mon loot. Rien que de sale. Bon, moi j'ai des skills qui se débarrent, ça va bien. Je vais aller voir. J'ai ramassé deux affaires ici. Weather CPU. Pourquoi je peux pas le prendre? Il est barré, 55. Ah, require level 6. Je vais le mettre dans mon stash. Vol jusqu'à un paradis fiscal. j'ai une pièce uncommon. Ok, ben tu sais, ils disent que c'est Diablo dans le sens du looting, puis c'est vraiment ça. T'as plusieurs attributs, puis tu combines ensemble, puis ça va te donner quelque chose. C'est juste que le gameplay est vraiment assez différent et très loin de Diablo. Mais je vois l'inspiration, par exemple. À cette heure, où c'est que je peux mettre ça, cette affaire-là? Ok, il change ici. On peut cliquer et on voit la pièce vers laquelle tu peux la remplacer. Fait que là, c'était celle-là. 320 DPS. Ou c'est meilleur que l'autre, j'ai aucune idée. L'autre, il y a des moins par exemple, puis celle-là, il y a des plus. Ou ouais, il y a des plus d'un pourcentage. On va regarder celle-là. On va faire comme si je comprenais exactement tout ce qui se passait dans le jeu. Donc là, on va revenir ici. J'ai deux missions au niveau 2 que je peux faire. Celle-là, je l'ai faite, elle est noire, donc elle est faite. C'est celle-là. Smoke screen de nuit. J'aime beaucoup le visuel du jeu, je trouve que c'est bien fait. Puis le petit look cartoon plus BD là, il est très bien. Ok. Skill not ready. Là, je l'ai. Ok, si je le prends entre les deux, je suis capable de wiper et d'empoigner plus qu'un à la fois. Skill not ready. C'est des bombes. Oh shit, ok. Aïe aïe aïe. Aïe, y'a du stock là. J'aimerais avoir plus de power-up, genre d'en trouver. Là. Ah, t'es une bonne glace. Alright. Shit. Ah, j'ai pogné un CPU. Yes, moi.
Voyons donc. Je m'attendais pas à ça pour vrai, là. Deux de la shop. Ah! Je sais pas passer. Ouais, j'avoue, Disturb Rick, il me disait dans le chat, Skill Not Ready, ça pourrait être le titre de la toune. C'est moi qui pèse trop, je suis trop énervé là. Faut que je me calme, faut que j'arrête de peser. J'ai encore le réflexe d'y aller à la schmop pis de. Button mâché, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Là. Bon, eux autres ils payent encore un 10%, fait que j'ai 604$ sur 6000. Simple Dash, intéressant. Ah, mais j'ai des trous à skills. Ça c'est. Un autre. Bon, celui-là il est plus 411. Je me suis mis à dire que celle-là. Ok. Il y a des stats en haut en plus avec des tables. Ah, il y a bien trop de stock. Mettre d'autres skills. Aha! C'était pas indiqué. J'ai le soleil d'en face. C'était pas indiqué qu'il fallait que j'aille là. Des familles de skills. Je peux roll. Bon, ok, dans le fond, je vais mettre ma souris par-dessus et ça va me dire c'est quoi qu'il faut que je fasse. En fait, je pense que je vais prendre la souris dans le menu, ça va aller mieux. Je vais jouer avec la manette. Blade Skill, ça c'est ce que j'ai en ce moment. Ok. Detonation. Unlock different skill variant. Ok, c'est des catégories de skills. Donc ça c'est celle-là que j'ai en ce moment, c'est celle-là. Là j'ai les detonation skills. Là j'ai une bombe ici. Burn everything around you for 107 plasma damage. Oui s'il vous plaît. Keep in mind you can equip only one skill per family skill. Ouais, ça je le sais. Unlock different skills for instance. The bubble skill. Absorb the bullet and regenerate. Ah, c'est pas fou ça. Ça t'absorbe les balles puis ça te régénère l'énergie pendant 2 secondes. Okay, on va le mettre mettons là. Ça c'est pour se réparer, je l'ai laissé. Warp skill, unlock very. J'ai des advanced skills ici. C'est si bol. J'ai des auto skills. Auto skills trigger on their own and specific condition. Des affaires qui se déclenchent automatiquement. Killing enemies, group or quick succession will generate additional credits. Hey, êtes-vous fan de customization? Auto retreat. Ok, celui-là il est déjà là, auto retreat. Fait que j'ai 4 skills que je peux triggerer, là, entre guillemets, là, que je peux déclencher avec mes 4 pitons de manette, plus 2 qui se déclenchent automatiquement dans lesquels je peux mettre ici. Fait que je peux en choisir un autre. Single impact. The next. Time you take damage become invulnerable for 1 second my chain focus score will be divided by 2. Wow.
Hey, je sais pas, là. Close range, on va prendre ça, tiens. Cost 1000, j'ai dit de l'argent. J'ai 1002. Faut que je l'achète. Ok, faut que t'achètes les skills si t'as pas, évidemment. Voilà. Ouais, j'irai pas dans les advanced skills tout de suite, je pense. Ouais, les crédits de plus, j'avoue qu'ils peuvent probablement être utiles au début, là. Ah, je peux même augmenter mes attributs ici. Structure, power, navigation. Spend points. Ah, j'ai des points à mettre. Refuse of your ship. Ok, je vais pouvoir avoir plus qu'un vaisseau. Fait qu'il faut que je manage mes attributs. Puis je viens pas tout sur le même. Ok, ok. Là, on a des slots de plus ici qu'on peut se mettre. C'est le classement des items. Alright, on va essayer quelque chose. Buying some time. The Ark isn't safe anymore. You must speak to Commander Sheen. Ou Shen. Retourne sa manette. Ouais, se builder un tank, j'avoue qu'on. Ça pourrait être l'angle à prendre si tu veux vraiment rentrer dans le tas, mais. En même temps, je le sais pas. Je sais pas si le but c'est de survivre ou c'est vraiment pas de looter les vaisseaux parce que t'avances pas si tu lootes pas. Tu les toutes. Yes, Matt, m'a toutes les tuer. Un après l'autre. We must resist. Ah, Suzanne, c'est une femme, ça? Ah ben, ah ben. Les surprises, des fois. Bon, qu'est-ce qui se passe? De retour au Command Center. J'ai une seule mission, qui est celle-là. Longue, ah, ça c'est une plus longue mission, celle-là. Keep this, keep the island button. Ah, on peut skipper toute la cinématique en pesant 2 secondes sur le skip cutscene. Je le savais pas, je le prends en note. Alright. C'est vraiment, les attributs sont super importants là. C'est déjà un petit peu plus schmop que c'était tantôt là. Skill d'en haut là, que je me rappelle pas c'est quoi que ça fait. La bombe est très efficace. C'est là que j'aurais dû le prendre.
Ah ah, ok. Hey, si je peux y fermer la boîte à elle, là. Skill not ready. Use the selector. Ok, fait que c'est quoi le selector? La mission est comme finie, dans le fond. C'est du auto-retreat. Ah, la musique est incroyable dans le jeu. C'est déjà plus cool, un peu plus long cette mission-là, c'était bien. Putain, j'ai passé à la cinématique. On va aller au hangar. Ah, hey, les salles, ils prennent encore 90%. Je peux-tu renégocier mon contrat? Killing String Bounty. All right. Allez, du stock. Ça, c'est jaune. J'ai pris une armure rare ici que je peux pas utiliser encore. Juste pour ma souris. Juste de la cochonnerie, ça en plus. You have looted your first blueprint. This is not an item you can equip, but a plan to duplicate similar items. Ah! Fait que je peux me faire des copies d'objets de, en trouvant les blueprints dans le fond, c'est ça, là, de l'objet. Fait que je peux-tu trier ça d'une autre façon? Level, catégorie. Je passe par level, fait que... un CPU, on va y mettre un autre CPU parce que ça va déjà être meilleur. Je pense que c'est tout. Welcome to the Rift. Supposed to meet someone at a bar. The Rift. Ouais, on me dit de vendre toute ma scrap, pis à moins que c'est comme. Bon. 3B Games, on va les nommer comme ça, là, s'ils me donnent juste une pièce pour toute la scrap. Là. Mais tant que j'ai de la place, m'a stashé ça. Là. Je vais faire mon order avec mes objets, puis je verrai en temps et lieu s'il faut que je le vende ou pas. Là. Parce qu'il y en a plein qui sont level 6 pour l'instant, puis je suis même pas rendu là. On va skipper l'histoire. Voilà. Complete each link mission to advance to the next. Ok, celle-là c'est une succession de trois missions qu'il faut pas que je me fasse tuer entre les trois sinon je recommence au complet. Il y a Matt dans le chat qui dit que si je transfère pas mon loot de ma boîte de vaisseau dans mon stage personnel, à un moment donné j'aurai plus de place puis mon loot se ramassera plus. Comme Diablo, dans le fond. Là. Tu peux plus rentrer l'objet, là, mais tu peux les stasher. Puis tu peux t'acheter des compartiments de stage de plus, fait que ça c'est bien au moins. Là. Allons-y, mon vieux! Skill not ready. Ouf! Not enough energy. Ah! Mauvais ça. Oh shit! Eh boy, je me suis planté solide là.
Wow! Ok! C'est pas ce que je voulais faire. Ah là, j'ai rien gagné parce que il faut qu'il répare mon vaisseau, mais au moins j'ai un retry. Manual retreat, cargo lost. Fait que si je me magane, je peux faire un manual retreat, je perds pas mon loot. Si eux autres ils me forcent à revenir, là je perds tout mon loot, pis en plus ils pointent tout mon camp, je gagne de salle. J'ai vraiment le soleil d'en face, ça a pas de bon sens. Bon, allons-y. Oh, ça marche pas avec les bombes. C'est vraiment juste avec les balles. Calvaire. Ça va pas bien. Faut que je me répare. Ça m'en tirait quand même pas si pire là. Shit. Ouais, on le sait, il n'a pas assez d'énergie. Oh, un genre de boss. Ah, fuck. Yes! Beaucoup de loot ici. Oh. Yes! C'est vrai que ça a l'air de la voix dans StarCraft 1 qui dit Not enough minerals. Ok, c'était très satisfaisant ça par exemple. Très très cool. Bon bah ouais, loot-moi le sac là, pis tout. Un autre CPU que je peux pas utiliser. T'as le point 7, ouais, mais jusqu'à quoi je peux le... Ça, j'ai aucune idée de ce que je fais là. Retournez voir dans les items que j'ai pognés, y'a-t-il de quoi d'intéressant? Advanced skills peut-être? Ouais, ça, des skills à acheter ça. Ok, je vais continuer un peu avec ce vaisseau là parce qu'il va bien pour l'instant là.
Oh! Il est mauve celle-là. Patrol area. Ça va être cool par exemple. Lui il est fait. Je pourrais essayer celle-là, hein. La succession de trois missions. Là. Beginner's course. Ah, pas payé ça. Bon, allons-y. Allons-y. Oh shit. Ah! Shit! Skill not ready. Et merde. Not enough energy. Ah, y'a... Qu'est-ce qu'il y a d'énergie en bas? Health, shield, energy, ok. Ah oui, bravo. La succession de nomatopée, ben oui, ben c'est clair là. T'as moi, puis juste en dessous t'as le gars de Police Academy. Oh oui, je vais être une référence de Police Academy. Les autres, ils chient des petites bombes. Là. Je suis en marre, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme hâte à dans 10 minutes que le soleil arrête d'être dans ma face. Je vais continuer tout de suite, hein, sans aller au hangar, faire la partie 2 de 3. Je sais pas si on peut voir son... Ah! C'est justement ce que je veux savoir, si on pouvait voir notre loot en faisant pause. Airlock, difficulté... Tu peux quand même venir ici retirer des items, là, sans notre trop pendant que tu joues. Skill not ready. Ah! Skill not ready. Not enough energy. Beaucoup de stock à l'écran. C'est pas facile de choisir ta cible.
En fait, c'est vraiment de trouver comment faire le maximum de dommages avec le minimum d'efforts. Ah! Une bonne batch. On va aller faire le troisième. Ouais, Matt Bones qui dit que les missions sont un peu comme à la fin quand ça finit. C'est vrai qu'il y a un manque de punch, mais tantôt avec le boss, ça a été satisfaisant par exemple. C'est juste qu'il n'y en a vraiment pas souvent. T'es pas dans des grosses missions à toutes les shops. Ce petit moment de panique quand t'es dans un shmup pis que t'es soudainement pris dans un bullet hell. C'est comme un petit kick là. Not enough skin not ready, ouais. Vaisseau est en feu! D'avoir! Bon, un boss! On commence par essayer de me healer là. Ouais, si l'émission se finissait toujours avec un boss fight de même ou au moins un petit boss fight, tu sais, ça serait déjà pas pire. Hein. Final score. Ouais, aussi, c'est pas une grosse. C'est pas un boss, une grosse wave à la fin, j'avoue que c'est. Des fois c'est un peu, mais.
Puis oui, j'aimerais ça écrire ça une volée à la petite voix qui dit skills not ready. Là. C'est un piton pour transférer tout d'un shot. Là. Ah, juste carré. Extend your stash. Non, on va vendre mon stock. Level, c'est lui. Chut. Comment c'est pour vendre? Probablement au market, je suis pas allé encore. Là. On va vous montrer notre partie de jeu. Ben justement, on voit le stash. Fait que c'est là que je peux vendre. On est au market. Buy and sell. Donc, je pourrais m'acheter des trucs. J'ai 3321 cents. Ben, j'ai 33 piastres dans le fond. C'est 400. Bon, on va vendre les affaires qui ont l'air vraiment d'être faibles pour l'instant. Ben ça, c'est ça des fans de loot puis de vraiment gérer votre inventaire puis gosser là-dedans, là, vous allez triper. Là. Moi, je veux plus jouer au shmup que de faire la section loot, mais le blend est quand même pas si mal. T'sais, t'as pas à tant gosser dedans pour pouvoir jouer après avec. Là. C'est sûr que je pourrais l'optimiser mon vaisseau, mais pour le bien de ce let's play-là, j'ai plus le goût de le faire comme ça. Là. The Skill Not Ready Remix. Ouais, encore une fois la soundtrack incroyable. Merci à Disturb Rick qui est passé sur le stream. Ah, il est en arrière les sacrements. Alors, j'aimerais pouvoir les pogner quand ils sont en retreat de même, mais on peut pas. Oh! Wow, superbe effet visuel d'orage. Ah les graisses. Mais tu dis focus up. Connasse. Tu diras pas quoi faire. Ah shit, man. Not enough energy.
à être une issue. Holy shit! Ok! Ça devient soudainement très complexe là. Wow! En haut, j'ai remarqué là, ici là, on a les waves qui avancent, savoir où on est rendu dans le tableau. C'était écœurant ce level-là, par exemple. Wow! Oh, quelle heure qu'il est là. Parfait. On va faire une couple de missions, puis je vais terminer là-dessus, là, mais... Hey, c'est le fun, pour vrai. Je sais pas quand est-ce que tu pognes d'autres vaisseaux par exemple ou que tu avances dans le jeu là. J'imagine qu'il doit y avoir énormément de tableaux. Je sais pas comment c'est fait, si c'est du procédural ou si les vols sont prédéfinis. Là. Mais c'est une possibilité quasi infinie de faire des levels. Là. Va chier. Toujours checker si ta bombe est prête à être utilisée avant de foncer dans le tas. Comme là. Je le dis puis je le fais. Bon, ça a été pas mal lucratif celui-là. Ah non! Ils me disent focus up. Skill not ready. There you go. Matt qui me dit en bas à droite. La gauge brune-jaune, c'est du focus, ça sert à quoi? Pas sûr. Alright! Un peu comme tout le reste de ce qui est dans le jeu, ça sert à tout à quelque chose. Il y a des stats et des affaires qui disent. En bout de ligne, tu sais pas trop à quoi ça sert là. J'aimerais pouvoir avoir un comparatif rapide de ce que j'ai là, il y a quelque chose qui est meilleur, t'sais. Eux autres, ils restent là, mais sont comme indépendants de l'histoire, j'ai l'impression, les challenges. Ça, c'est un challenge niveau 1, ça, c'est un challenge niveau 4, avec 3 levels, mais t'as quand même l'histoire ici qui se poursuit.
J'en ai deux, je peux aller faire for a bit more. C'est pas linéaire, ça veut dire. Faire 2-3 encore là, puis je vais aller souper. Mais bon, ça vous donne quand même une bonne idée du jeu là, je pense. Beaucoup de profondeur au niveau de la customisation puis tout ça. Average. On va faire lui, c'est une mission secondaire, je pense celle-là. Donc un action RPG avec un gameplay de shmup. Beau mélange. Ça fonctionne, je pense. C'est sûr que ça se répète là, au niveau des niveaux justement là. Je sais pas si plus on avance ça vient à changer, mais tantôt celui qui avait des éclairs dedans puis de la genre de température qui changeait live, très très le fun. Là. Compagnie Alchemy, je vous rappelle, qui a fait ça. Fun fact sur Alchemy, c'est une petite compagnie qui avant faisait du design web puis la production de sites web. Puis il y a 5 ans, ils ont décidé de se lancer dans le jeu vidéo. Fait qu'ils ont fait un premier jeu, je me rappelle plus c'est lequel, c'est marqué sur leur site là. Ils ont acquis des bases en Unity. Puis ça, c'est leur deuxième jeu là. Fait que. Toujours intéressant de trouver des indies de même qui sont super beaux pis qui sont le fun à jouer là. Ouais, Matt qui dit très parlé, effectivement c'est super super beau là. Skill not ready. En fait je sais pas si la qualité paraît sur le stream là, mais chez nous c'est vraiment superbe là. Aïe, ah, là, auto-ripper est parti. Ah! J'ai tout perdu mon loot. Ah, ouais, je sais, là. Faut que je me le dise à chaque fois, là. C'est calme. On va se réessayer. Tu sais, la fédération te fait chier, là. Si vous êtes fan de VR aussi, allez joindre ma chaîne, GF Chrome VR. Tantôt, on m'a testé Rick and Morty. Rick Virtuality, je sais pas quoi là. Rickality. Ça devrait être très cool. Oh yeah, le soundtrack. Je plug mon channel live, mais il y a juste Matt, je pense, qui m'écoute en ce moment. Puis Matt, il joue avec moi d'habitude, donc... Hey Matt, join mon channel, s'il te plaît. Skill not ready.
bien hâte d'essayer Rick and Morty par exemple, je suis sûr que c'est. Je suis sûr que c'est très bon. Accounting, faut que je fasse aussi après là. Mais ouais, je let's play pas mal plus en VR sur ma chaîne qu'autre chose. Quand je le fais en non-VR, c'est régulièrement pour Rétro Nouveau. Parce qu'il faut bien que quelqu'un les teste, ces jeux-là, qu'on peut pas passer en critique. Les PC Master Race sont un peu laissés de côté par Rétro Nouveau. Chance que Nick est sur le podcast pour couvrir ça là. Skill not ready. Ouais non, je sais qu'il est skill not ready. Hein. Là, tu le light, bon, trop tard. Je pense que le focus up c'est utilisé pour le truc qui vient chercher les balles là. Le truc bleu là. Ça là, je pense que c'est ça qu'ils disent qui s'appelle du focus. Fuck 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 fuck. Je m'en suis bien tiré là, mais. Ouh! Ça passe proche. Je me vois dans le coin de descendre sur ma chaise tranquillement. Je me sens comme à un job, puis là, je suis comme ouh, puis je descends. Faut que je me remonte tout le temps, je m'excuse. Ah ben, c'est bien pour dire tout du stock que je peux pas m'utiliser. Je peux-tu, comme, pousser ça tant que je veux, puis on s'en sac? Ah, tu peux plus. Ok, c'est parce que tu peux plus redescendre après ça. Et on va se monter à level 10. Ah là, tout se débarre soudainement. Tiens, tiens. Et lui, il est rare, je peux sûrement le prendre. Ok, puis le moins puis les plus, c'est par rapport à ce qui est déjà en ce moment dans mon inventaire. Fait que. Moins bon, ça c'est meilleur. Fait que t'es ça sur le swap. Je pense que les stats, tu t'en fous. Tu fais juste regarder si c'est plein de moins, c'est beaucoup moins bon que ce que t'as. Fait que prends-les pas, tu sais. C'est vrai, il donne plus de life, mais tout le reste est moins. C'est des moins. Lui, il est moins d'armure, mais il est plus 15 d'armure. Quoi? C'est toute la merde que j'ai ramassé, tout est négatif. Pas bon, pas bon, pas bon. Que de la scrap. Vous avez vu comment j'ai passé les stats en détail? Fou raide. Ok, je vais faire le 8. Je vais faire le level. Mais en fait, je vais commencer par lui, je vais faire le 8 après, puis après ça, je vais arrêter le stream. Pour ce soir, faut que j'aille étudier mes stats, là, puis tout. Savoir comment ça marche, tout ça, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Faire des graphiques dans Excel, quelque chose. Là. Plus de stats que dans le vieux jeu de sous-marin qu'il y avait sur l'ordi avant. Là. Quand on avait un P2, là. J'avais un livre ça d'épais sur comment contrôler le sous-marin. La belle époque. Not
Ah merde. Troisième wave. Meta! C'est ça que ça prend pour des shmups, là. Ça prend un soundtrack comme ça. Là. T'as juste pas le choix. Wave. Shit. Je comprends toujours pas le focus up, mais en tout cas. Elle bosse. C'est un jeu à très longue haleine. Je sais pas si l'histoire à un moment donné finit par débloquer sur quelque chose d'autre là. Continue. Ah oui, c'est vrai, je suis dans une séquence de 3 là. Ce que je parlais tantôt, le niveau de la température qui change. Oh! Intense, ça, là. Skill not ready. Ok, il y a de plus en plus de waves là. Je suis rendu à 5, 9, 10 waves là, dans celle-là. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que les tableaux sont plus longs. Le challenge va être pas le plus tough si tu ramasses avec comme 15-20 waves là. Là on commence plus à parler d'un gameplay shmup plus authentique. Hey!
deuxième wave. La grosse différence aussi, c'est que dans les shmups, normalement, tu tiens sur le bord de l'écran. Là-dedans, tu peux pas tellement faire ça. Plus t'es au milieu, plus t'es safe, j'ai l'impression. Le graphisme en arrière là, wow! Les genres de tornades qui passent, c'est incroyable. Super beau. Ah non, focus up, c'est une affaire qui monte, ça me dit juste que mon focus a monté, je pense. Yeah, et voilà. Métal. Bon. Ok, on va aller voir si on n'aurait pas de quoi de loot incroyable. Matt qui dit qu'il checkait puis que ça a l'air d'être un méchant, d'être un mécanisme de scoring le focus. Bon, on va savoir. Encore tout de la merde, ça. C'est lui qui donne plus de life, mais qui diminue tout le reste. Hein. Ok, fait qu'on va y aller pour le dernier là, pour ce soir, celui-là. For a bit more than 10%. C'est une longue mission. Someone wants this area clear of enemy forces for some reason. Fait que. Je vais me battre pour avoir plus que 10% de revenus sur ce que je fais, dans le fond, avec l'histoire. Que la Fédération arrête de me voler mon cash comme des crosseurs. Drifting land, drifting lands, coma. Skill not ready. The return. Skill not ready. Ah. Ouais, vraiment, jouer avec une manette fait une grosse différence de jouer avec le clavier, là. Skill not ready. Avec le clavier, c'est presque pas jouable.
Kill not ready. Alright, 5e vague sur 8. Ok, ouais, je peux comme passer dedans, tout triggeré. Ah, si, je t'épais. Okay. Tu peux foncer dedans pour les triggerer, mais faut pas que tu le fasses comme un cave. Calice. Skill Not Ready, je pense que c'est aussi le titre de ma biographie. Not Enough Energy, c'est la suite de ma biographie en fait. Not Enough Energy. Not Enough Energy. Not Enough Energy. Ouais. Si Not Enough Energy, c'est le tome qui couvre la trentaine, dans mon biographie, j'ai peur de la quarantaine. Skill not ready. La quarantaine va s'appeler... Ici, j'ai mes cheveux. Skill not ready. Calvitie de Return, genre. Tu peux passer à travers les genres de wave. Faut juste être vraiment prudent. Là. Comme là. Ben t'as fait tuer eux autres. Skill not ready. Les autres, ils ont-tu un shield qui protège, c'est quoi? Skill not ready. J'ai pas trop compris à ce qu'ils faisaient celle-là. Ok, on arrive au boss fight. Ah, après cette vague-là, en fait. Alright, le boss fight. Focus up. On voit pas l'énergie du boss, par exemple, je pense. Parce que j'ai pas remarqué s'il l'avait, là.
Ok, j'ai battu le boss, mais là je peux continuer. Comme du bonus. Du bonus ou pour te tuer. Mission complete. Et voilà. Fait que l'histoire avance. Mais bon, je vous le montrerai pas ça. Parce que je vais arrêter le stream là. Mais définitivement, c'est très cool comme jeu. Mélange réussi de shmup et puis de action RPG. Je suis pas tant sûr que la customisation, toute l'info qu'il te donne est nécessaire. Peut-être que ça l'est, si ça l'est tant mieux, ça rajoute une méchante profondeur à ce jeu-là. Mais c'est sûr que je vais continuer à jouer là, de temps en temps, je vais aller me taper des petites games parce que c'est quand même pas très long l'émission, fait que c'est bien pour ça. Donc, regardez ça, Drifting Lands, c'est disponible sur Steam, sur Mac et sur PC de la compagnie Alchemy. Puis si vous êtes un fan de VR, vous voulez voir la réalité virtuelle, joignez ma chaîne à moi, JF Chrome VR, fait que JFCROMP VR. Si vous êtes live là tantôt, je vais faire le jeu de Rick and Morty là-dessus. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. À la prochaine.